aller mettre ça par-dessus notre lumière bleue. Donc, si je lui mets, je vais y aller par là, du jaune par-dessus, je viens de faire la lumière blanche. Et, dépendamment de la quantité de jaune que je vais mettre dessus, ma lumière blanche, elle va aller de blanche-blanche à blanche-jaune. Donc, ici, est un peu blanc-jaune et on l'a catégorisé en disant, toi, tu es du 2700K. Là, je n'ai pas le temps d'embarquer dans le spectre du corps noir, puis comment. Alors, retenez que 2700K, on appelle ça du blanchot quand on magasine les ampoules. Donc, on donne 2700K. Si je mets un petit peu moins de jaune dessus, j'ai une 3000K, ça va être un petit peu plus blanc. Celle-là, il l'appelle le blanc neutre. Et, attends, ici, j'avais deux 2700, je m'excuse. Ici, je suis avec la 3000. Et si je lui mets un petit peu moins de jaune, bien, je tombe à du 4000K, où est-ce que c'est pas mal blanc. Et puis ça, on dit que c'est du blanc froid. Dans le blanc froid, il y a beaucoup de bleu. On a trois autres lumières en haut. Je ferai après ça avec... Fait que si je regarde celle-là... Attends, je fais mieux celle-là. On commence par celle-là. Ça, c'est une lumière orangée, blanc chaud. Nous, c'est ce qu'on aimerait qu'il y ait partout dans les villes. Non. Parce que... Tellement pas. Pourquoi? C'est belle, la lumière jaune. Hein? C'est ce que ça a l'air, une lumière HPS. Est-ce que vous voyez la différence? Trouvez-vous que c'est jaune dehors? Oui. Non. Non, c'est pas jaune. C'est parce que vous pensez, c'est tellement haut que ça paraît presque pas jaune. Notre œil est beaucoup mieux, les animaux sont mieux, les étoiles sont mieux, tout le monde est mieux. Donc ici, il y a presque pas de bleu dans le spectre. Si je mets un petit peu plus de bleu, là je tombe ici, c'est une 2700K. Donc la lumière est un tout petit peu plus... est plus blanche. Et puis, si je la mets avec beaucoup de bleu, bien là, je tombe avec une lumière qui est blanche bleutée. Wow, quelle belle lumière! Donc là, il y a énormément de bleu dans la lumière, et ça, c'est extrêmement problématique pour tout ce qui est processus biologique.